Je suis Ayat Mazouza, je suis responsable des partenariats chez Mosaïque RH. Mosaïque RH, c'est le premier cabinet de recrutement à but non lucratif qui est spécialisé dans la promotion de la diversité et l'égalité des chances. Donc concrètement, notre action consiste à décrocher des contrats de recrutement d'un côté. Donc pour cela, on discute avec les patrons d'entreprise, les DRH, et de l'autre côté, on va trouver les candidats qui sont diplômés Bac plus 2, Bac plus 5, qui sont issus des quartiers et qui vont répondre à ces besoins des entreprises. Selon moi, les quartiers sont un enjeu majeur et qui doit être traité dans le cadre des présidentielles. Je pense que s'occuper de la question économique dans les territoires moins privilégiés, faire en sorte de saisir la diversité comme un atout de compétitivité, surtout lorsqu'il est question par exemple de phasage avec les différents marchés internationaux, lorsqu'il est question de créativité en entreprise, je pense que c'est crucial. Traiter de la question économique dans les quartiers, c'est aussi assurer une certaine paix sociale. Et cette paix sociale, elle est cruciale pour l'ensemble de la société française. Je dis oui au logement social parce que le logement social, c'est véritablement le symbole d'une république qui accueille tous ses enfants et qui accorde un logement, c'est-à-dire un droit, à n'importe quel citoyen, indépendamment de ses revenus ou de son capital. Pour moi, c'est véritablement un enjeu crucial de cette campagne présidentielle et un enjeu crucial pour la société française.